Bon, je viens de recevoir un message, la date de Toulouse est confirmée. En revanche, ils n'ont pas validé le rider. Tu m'étonnes. En même temps. T'es peut-être pas obligé de demander sans gluten, sans lactose et végétarien. Franchement, tu crois qu'on peut faire un catering avec de l'herbe et des carottes? Alors, excuse-moi, mais je contrôle ce que je mange. Et moi, au moins, j'ai pas demandé 2 bouteilles de rhum. J'y peux rien. C'est pour ma santé. Je contrôle ce que je bois. Et ça, c'est quoi? Un radiateur? Oui, c'est pour moi. C'est au cas où il fasse froid dans la loge pour mon violoncelle. Non, mais ça va, il fait jamais si froid dans les loges. Ouais, je dirais même que quand on joue l'été, il fait plutôt chaud dans les loges. Oui, c'est pour ça que j'ai aussi demandé la clim. Et Romain, pourquoi t'as demandé un fauteuil en cuir dans le rider? Parce que je suis allergique à la plume. Et alors? Bah alors au moins, s'il est en cuir, y a pas de risque qu'il soit en plume. Mais n'importe quoi, j'ai jamais vu un fauteuil en plume dans des loges, moi. Bah c'est normal. C'est écrit dans le rider. Et donc on exige des bonbonnes pour remplir nos gourdes, pour limiter le plastique par souci d'éthique. Et à côté de ça, on demande du Nutella. Ouais, t'as raison. On vire les bonbonnes. Et Damien, C'est toi qui as demandé une table et un fer à repasser? Absolument, ouais. Et pourquoi? Bah, il y a des choses, si tu ne les as pas, tu ne peux pas bien présenter. Je ne monte pas sur scène avec une chemise froissée. Oh, c'était comédie. Les 2 bouteilles de rhum, on en reparle? Ok. On fait à repasser. Eh, hey, mais quand on y pense, un rider, c'est un peu comme si, genre, un plombier, il demande toute la liste de trucs qu'il veut dans ta salle de bain, sinon il démarre pas les travaux. Mais c'est clair, c'est abusé. En même temps, un mec qui demande 2 bouteilles de rhum avant de faire son job, j'appelle pas ça un plombier, moi. Ah ouais, t'appelles ça comment? Un batteur. Bon allez, on refait le rider de zéro, mais avec des demandes raisonnables.